Même sur nos épaules. T'inquiète. Tu mets ta jambe sur mes genoux. Là, ça te va? Qui c'est qui est limite là? Combien sur les fesses ou sur les genoux? Ah, moi. Tout le monde est limite là. On est tous limite. Non, mais qui c'est qui veut que je prenne sa place? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, en position! Serrez les jambes. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je dis, mettez le pied dans l'axe. Dans l'axe des bras. C'est là où vous avez la force. Il y a toujours des genoux par terre. C'est la merde. Il y a toujours des genoux par terre. Échec! Échec! Il y en a qui restent couchés, c'est la merde! Debout, comment? Putain. Allez, debout! 10, 9, 8, 7, 6, allez, debout! 4! Bon, il y a un problème, vous avez pas la foi, Cherchez la foi dans l'eau, rapidement! Allez, retour dans l'eau, cherchez allez, la foi! Allez, rapidement! Allez, la zone, rapidement! Allez! 10! Ouais, ça, c'est l'obstacle de la piste Pécari. Quoi, l'obstacle s'appelle dessous-dessous. La piste Pécari, c'est une parcours avec plusieurs obstacles. Et avec des contraintes liées au milieu. Donc, il y a marée haute, marée basse. Et donc, les obstacles peuvent changer légèrement. Ouais. Avec d'eau ou pas d'eau. C'est bon? Allez, prochain obstacle. Sans les mains, hein, les mains, sans les mains. Pompe là. Selva. Voilà. Selva. Allez. Selva. Donc le piste Pécari, comme je dis, c'est 10 obstacles. Donc ils sont pour chaque obstacle 3 essais. S'il n'arrive pas à passer un obstacle, ben, c'est considéré comme échec. Okay. Donc eux, ils sont venus ici pour faire un stage en jungle, mais en mode agrissement. Donc ça veut dire, nous, on cherche à viser le facteur stressant au combat. Stagiaire 06, piste Pécari terminée, à vos ordres d'instructeur, zéro échec. Pujol, c'est ça. Nous, on cherche à viser le facteur stressant au combat. Donc on l'affaiblit physiquement et psychologiquement. Donc physiquement, c'est avec cette épreuve, donc ils vont arriver fatigués. Et les buts ont tous, avec la fatigue et avec les stress qu'on donne, il développe la capacité de commandement. 3, 2, 1, go! Oh, qu'est-ce qu'on a parlé les sangles? Allez, enlevez cette sangle là. Laquelle? Mettez un mousqueton. Une fois il est monté, vous enchaînez. Allez, on enchaîne. Faut pas tomber. Parce qu'il y a des centres d'entraînement comme ici, il n'y en a pas des masses. Et c'est très difficile parce que déjà les milieux, très exigeants avec eux, c'est les milieux qui est difficile. Il fait très chaud, il y a une chaleur humide parfois insupportable. Donc et au même temps il doit faire des épreuves physiques. Donc c'est ça qui est le plus difficile. Allez, on y va! Il n'y a pas de bol! Allez, foule! Arrêtez d'encourager là-bas! Allez!
Ici, attention, on monte pas trop. De se mettre debout. Le pied droit descend. Le pied droit descend. C'est bon. Voilà, là-bas, c'est bon. De se mettre debout. C'est-à-dire, je reste. Je suis dos contre le tronc. Et hop, assis. Ok. Glisser. Glisser. Jusqu'à ici. Brancardage de fortune. Pour nous, on sécurise la zone. Un périmètre de 360. Allez, en avant. Sécurisez la zone. En avant. Sécurisez la zone. 360. Tiens, allez, par là-bas, par là-bas, là-bas. Petite poulet bras. Le conseiller, il a toujours la liaison. Il a la liaison. On a combien de branches là? Allez, rapidement, c'est marché. Allez, en avant, en avant. Allez, pour échanger. Allez, 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 ça change. Allez, 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 allez. Allez, tiens le marché. En avant, en avant, en avant.